que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous faire la présentation de la dernière version de l'application DevSquad. Beaucoup d'entre vous vont se demander c'est quoi DevSquad. C'est tout simplement une application que vous pourrez installer sur vos appareils Android, smartphone, tablette, Android TV et bien sûr une Fire TV Stick. Donc l'application consiste à vous protéger, à protéger vos données, donc votre identité aussi, et elle a beaucoup d'options qui vont vous plaire car j'ai testé l'application plusieurs fois et maintenant je teste la dernière version. Elle a eu beaucoup d'améliorations par rapport aux versions précédentes. C'est ce que on va vous présenter aujourd'hui et on va essayer de détailler l'application pour vous afin que vous compreniez et savoir à quoi consistent les différentes options de l'application. Mais tout d'abord, mes amis, vous devrez télécharger l'application. On va vous mettre le lien dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez télécharger l'application depuis la source officielle de l'application, bien sûr. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application et que vous l'avez installée sur le support de votre choix, vous installez l'application comme vous avez l'habitude d'installer des APK sur le support Android. Donc, que ce soit, vous allez utiliser une clé USB, une carte mémoire ou bien télécharger directement à travers l'application Downloader. Pour ceux qui vont utiliser l'application Downloader, c'est plus facile, c'est plus simple car vous allez installer ou bien télécharger l'application directement sur votre support. Donc, suivez les instructions qu'on va vous mentionner dans cette vidéo afin de comprendre comment cela va se passer. Donc, tout d'abord, mes amis, si vous souhaitez télécharger directement depuis Downloader, vous allez vous rendre sur votre Android TV ou bien votre tablette ou smartphone ou bien sûr la Fire TV Stick. L'application est disponible sur tous les appareils qu'on vient de citer. Donc, Downloader, ici, mes amis, vous ouvrez Downloader. Dans la barre de recherche, vous allez écrire l'adresse qu'on vous a mis dans la description de la vidéo et puis vous procédez au téléchargement de l'APK. Si vous allez télécharger sur un PC, vous mettez votre application sur une clé USB par exemple. Ensuite, vous branchez votre clé USB sur l'Android TV. Ensuite, vous allez ouvrir File Browser et vous allez chercher l'application DevSquad. Une fois que vous avez trouvé l'application DevSquad, vous cliquez dessus et vous procédez à l'installation comme vous avez l'habitude d'installer les APK. C'est simple et c'est rapide et facile. Donc, une fois l'application est installée, elle va vous inviter à cliquer sur OK ou bien Ouvrir. Donc, une fois installée, on clique sur Ouvrir. Donc, comme vous le voyez, mes amis, une fois l'application est installée, vous aurez l'interface actuelle. Donc, vous avez différentes sections: Privacy Test, Speed Test, Cleaner, Virus Scan, My Device, Manage App. Donc, ces différentes sections, mes amis, vont vous permettre de réaliser des opérations comme scanner complètement votre appareil afin de détecter des virus ou bien des applications qui sont dangereuses ou moins dangereuses ou bien safe sur votre Android TV. Cleaner, il va vous permettre d'optimiser votre Android TV, par exemple, supprimer et éliminer tous les fichiers qui ne sont pas importants. Vous avez Speed Test afin de tester le débit de votre connexion Internet. Vous avez Privacy Test. Ça, il va vous permettre de vous localiser, donc de savoir où est-ce que vous êtes et de vous donner plus de détails. Donc, comme vous le voyez, mes amis, l'application est bel et bien installée Speed Test, donc pour tester le débit de votre connexion. Donc, cela va vous permettre de connaître le débit réel de votre connexion Internet. Vous avez Cleaner, comme je l'ai dit, vous cliquez dessus, Start Cleaning, Yes, il va tout simplement analyser et supprimer tout ce qui n'est pas important ou ce qui gêne, comme les fichiers log, etc. Il va tout simplement les supprimer afin de donner plus d'espace sur votre box TV Android et la rendre fluide et trop rapide. Donc, en quelque sorte, c'est de booster votre Android TV. Virus Scan, comme on l'a mentionné tout au début, donc il va
faire un Start Deep Scan All. Donc, il va scanner toutes les applications et il va vous faire une classification selon le risque des applications qui se trouvent, comme vous le voyez, tout en premier, les deux applications en premier, ensuite les deux en deuxième et undetected tout le reste des applications où est-ce qu'il ne trouve aucun danger, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que il y a certaines applications, ils peuvent les classer dans harmful par exemple. Donc il y a un doute sur ces applications, mais si vous êtes déjà un utilisateur de l'application et que vous savez que il n'y a pas de danger, donc c'est juste qu'il y a des choses que vous ne saurez pas à propos des applications, car l'application, on ne sait pas comment elle était conçue, d'accord? Et vous avez My Device Info, donc toutes les informations concernant votre Android TV ou bien votre appareil tout simplement. Manage App va vous permettre de désinstaller les applications ou bien d'arrêter complètement l'application pour qu'elle ne fonctionne pas en arrière-plan. Donc en gros mes amis, c'est tout ce que vous devriez savoir à propos de cette application. Donc maintenant c'est la dernière mise à jour, vous pouvez l'installer et la télécharger depuis le site officiel. Autrement dit, il est temps que je vous dise à très bientôt. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de recevoir les nouveautés. Sinon, au plaisir de vous retrouver. Merci à vous.